culture. Bonjour. Vous êtes Abdallah et bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Voilà. Ça va? Et vous? Ça vous a fait rêver un petit peu ouais, ces envies de voyage. Ces envies au de sud. Voyage. Ah oui. Adra, la Timimou, la Janet. Tarit, Béchar. Et puis on a voyagé aussi ce matin avec des œuvres de Kamel Nour. Kamel Nour qui actuellement expose au niveau du musée maritime d'Alger, que vous connaissez, hein, n'est-ce oui. pas? Oui, on est déjà parti grâce à vous d'ailleurs. On a été, oui. Vous avez été, c'était. Et pas encore pour Hakim? Non, non, on a été sans moi. Très bon. Profitons des vacances hein, pour. On est parti remise. Pour c'est immense. Faire une virée, c'est immense. Moi, je me suis sentie toute petite. Ouais. Mais vraiment, on déjà que je suis petite, devant l'histoire. Mais je me suis sentie encore plus petite tellement que c'était immense. Les voûtes, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Vraiment. Impressionnantes. Ah, on a l'impression de voir défiler l'histoire. C'est ça. Hein, de la Méditerranée. Et c'est palpable. De toutes ces populations qui se sont mélangées, des civilisations du bassin méditerranéen. Ça, c'est ça qui est impressionnant quand on est à ce musée. C'est vraiment quelque chose de magnifique. À voir absolument, ben écoutez, profitez, peut-être pour ces vacances, hein, bien que vous ne soyez pas en vacances, mais bon. Voilà, donc il y a une très belle expo au niveau du musée maritime avec Kamel Nour qui revient un peu sur la baie d'Alger, sur l'histoire de la pêcherie, on renoue un peu avec la mer, la Méditerranée. Et on reste encore dans autour de la mer Méditerranée, cette fois-ci avec toujours au niveau du musée maritime, une projection d'un film documentaire de Madame Afienne Fatiha, notre mère, la Méditerranée. Ce sera ce jeudi à 10h au niveau du musée maritime d'Alger. Le théâtre n'est pas en reste puisque vous savez que c'est le théâtre bat son plein actuellement avec le Festival National du Théâtre Professionnel. Donc c'est aussi un rendez-vous très très intéressant. Et le Palais de la Culture abrite actuellement les architectures, différentes sortes d'architectures qui existent chez nous en Algérie. Donc vous tout avez... Tout cela qui raconte aussi une histoire. Vous avez absolument une histoire d'homme avec un grand H. Donc vous avez des professionnels du monde de l'architecture qui ont déjà commencé. La clôture de ces journées, c'est aujourd'hui. Donc allez-y, profitez, allez à la rencontre et surtout découvrez ce qui va se faire puisque nous avons cette architecture du nord, des hauts plateaux, du sud, hein, l'architecture de la région de Ouetso. On était un peu en avance sur le développement durable. Et absolument, voilà. L'architecture de terre. L'environnement oui, dans l'architecture. Oui. Vous avez parfaitement raison, cher Hakim Bey. Voilà. Linda, merci. Si vous nous avez donné envie, on va déjà penser à prendre le large, aller au musée maritime. Et puis voilà, tout découvrir, des rendez-vous que vous nous proposez. À tout à l'heure. À tout à l'heure.